Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour l'énergie de ce jour. Nous sommes le jeudi 2 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, la petite philosophie de ce matin, c'est le calme conduit au bonheur. Pour certains, le calme est synonyme d'ennui. Ils oublient que c'est souvent une promesse de bonheur. Voilà la petite philosophie de ce matin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé anxiété. Encore une fois, ça parlera à certains et ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien, bien à l'aise, eh bien, pour prendre ce qui résonne pour vous. Alors, on voit, n'est-ce pas, que cette dame, elle est très anxieuse et elle s'inquiète à propos d'une situation qui lui procure un très grand malaise. Et cette situation, elle peut venir soit de votre vie sentimentale, de votre vie personnelle, que ça soit au milieu aussi professionnel, que ça soit dans le milieu familial. Cette carte, elle peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être, pour certains d'entre vous, une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Et on voit, n'est-ce pas, sur l'illustration, sur la carte, que derrière le carreau de la fenêtre, eh bien l'orage se trouve au loin. Donc, on pourrait peut-être même penser qu'il s'éloigne, cet orage. Alors, peu importe ce qui se passe, cette carte, elle vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Pourquoi vous vous inquiétez? Quelle est la problématique du moment? Vous savez, chaque problème, il y a une solution. Et quand il n'y a pas de solution, c'est que le problème est dans votre tête. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires et en vous faisant de soucis. Parce que, en étant dans cet état-là, est-ce que les choses changent pour vous? Alors, ayez confiance en vous et en vos actes. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendu, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous recherchez. Évidemment, puisque vous n'êtes plus dans cet état d'anxiété. Et alors se faire du mal comme vous le faites pour certains d'entre vous, est-ce que la situation change? Non, alors réagissez. Il faut réagir. L'affirmation pour cette journée, je chasse la peur et l'inquiétude en moi. Je ne m'attends pas qu'à ce qu'il y ait, il y a de mieux et je vis en paix. Tout va bien. Je répète, je chasse la peur et l'inquiétude en moi. Je ne m'attends qu'à ce qu'il y a de mieux et je vis en paix. Tout va bien. Reprenez les rênes de votre vie et l'anxiété. Si vous vivez présentement quelque chose de terrible, dites-vous que vous faites du mal d'être dans cet état-là. Et ce n'est pas parce que vous vous mettez dans cet état-là que les choses vont s'améliorer. C'est en agissant que les choses vont s'améliorer. Je sais, il est plus facile de dire comme ça que... Je sais, quand
on vit une problématique, ce n'est pas toujours simple de ne pas se mettre dans tous ces états, mais ça ne sert à rien parce que ça se répercute sur votre physique, sur votre santé. Et voilà, ça peut vous amener à une dépression, n'est-ce pas? Donc, dites-vous bien que à tout problème, il y a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, eh bien, probablement que le problème est dans notre tête. Voilà. Alors, je termine avec le message de ton âme. Aujourd'hui, j'ai pigé grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et qu'elles t'ont apportées, de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Quel beau message de ton âme. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.